Justice, il y a quelques mois, la commission d'enquête sur l'affaire d'Outreau ébranlait la machine judiciaire en mettant en évidence ses dysfonctionnements. Aujourd'hui, elle a mis un point final à ses travaux et dévoile ses propositions. Et c'est une réforme en profondeur qui est demandée, avec notamment la suppression du juge d'instruction solitaire au profit d'un collège de magistrats. Dominique Verdaillan, Grégory Vasseur. Je pense à un juge d'instruction unique. Est-ce une image du passé? C'est en tout cas l'une des idées maîtresses de la commission Outreau. Dans un document de 500 pages, le rapporteur préconise que le juge d'instruction soit remplacé par trois magistrats. Une idée déjà appliquée en 1985 par Robert Badinter et qui n'a duré que 2 ans. Et au sein de la commission, le débat existe encore. La collégialité, ça ne fonctionne pas. Quand vous êtes trois à tenir le gouvernail d'un navire, le navire, il va sur l'écueil. Moi, je suis pour sa protection, mais je suis aussi pour sa réhabilitation dans le rôle qu'il avait précédemment. C'est-à-dire, le juge d'instruction, pour moi, c'est le grand maître enquêteur, c'est le chef de l'enquête. Conséquence de cette collégialité, le juge chargé de la détention provisoire disparaîtrait. Il est né de la loi Guigou en 2001. Nous n'avons pas le droit de confier à un seul individu, homme ou femme, la possibilité de mettre en détention, ne serait-ce que pour quelques heures ou pour quelques jours, quelqu'un. Une détention provisoire qui serait limitée dans le temps. 1 an pour un délit, 2 ans pour un crime. Des gardes à vue avec enregistrement vidéo obligatoire et l'accès au dossier pour l'avocat dès la 24e heure. Des préconisations inspirées par les dépositions des acquittés et des 200 personnes auditionnées. Chaque fois qu'on se posait des questions sur telle ou telle réforme, on se demandait, dans l'affaire d'Outreau, ce que cette réforme aurait permis d'éviter. Il faut des moyens supplémentaires pour mettre ça en œuvre. Mais à un moment donné, la question est de savoir si on veut une justice qui garantisse les droits de l'homme dont on se targue en permanence, ou qui ne le fasse pas, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, et l'affaire d'Outreau l'a démontré. Ainsi, le rapporteur de la commission fait un rêve, que le budget de la justice augmente de 50%.